Ce message aujourd'hui s'adresse à ceux qui sont nés de nouveau. Ceux qui ont été lavés par le sang de Jésus. Ceux-là qui ont reçu Christ dans leur vie. La Bible dit d'eux qu'ils sont ambassadeurs. Amen. Est-ce qu'il y a un ambassadeur dans la maison ce matin? Je peux voir la main d'un ambassadeur ou d'une ambassadrice. Amen. Alors, dans sa prière dite sacerdotale, à la fin de sa mort bien sûr, dans Jean 17, le verset 14, le Seigneur Jésus affirma ce qui suit. Je veux dire, je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Si vous lisez ce verset, le mot monde revient trois fois. Quand vous dites que Jésus répète le mot monde trois fois dans le même verset. Alors, le mot monde ici, dans notre contexte, ne renvoie pas au monde physique, c'est-à-dire le cosmos, sur le plan géographique, c'est-à-dire l'univers tout entier. Les six continents, je crois que c'est six continents. Il ne s'agit pas de ce cosmos, quand Jésus parle du monde. Le monde ici renvoie à l'ensemble des hommes que nous sommes, à la race humaine, à la multitude sans Dieu, la masse des hommes séparés de Dieu, ceux qui sont hostiles à son plan. Jésus dit que j'ai donné ma parole à ce que tu m'as donné, à son Église, qui est dans ce système, qui est parmi ces hommes. Mes enfants sont parmi ces femmes. Cette masse des hommes et des femmes cette masse des personnes qui n'a pas encore saisi la pensée de Dieu. Jésus dit que cette masse de personnes, ou bien ce groupe de personnes va haïr, je vais dire pas du groupe, ce groupe va haïr l'Église. Pourquoi? Parce que quand on parle de monde ici, comme je l'ai défini tout à l'heure, il ne s'agit pas de cosmos, du monde physique, il s'agit d'un ensemble de systèmes. C'est un ensemble de... c'est un ensemble, je peux me répéter, un système culturel, politique, économique, qui est mis sur pied et qui essaie de travailler contre les plans de Dieu dans nos vies. Mais restez tranquille. Tenez-vous tranquille parce que ce système n'a aucune capacité de défaire le plan de Dieu dans votre vie. Amen. Quelle que soit sa puissance et son autorité, sa complexité, Dieu a donné à chacun de ses enfants, s'il vous plaît, à chaque ambassadeur, l'autorité nécessaire pour dominer dans le domaine dans lequel il a été établi. Amen. Comme c'est en train de le dire, le mot monde ici, que Jésus reprend trois fois dans le même verset, pour nous ici, ça signifie que c'est cet ensemble de systèmes politiques, économiques, culturels, peut-être aussi des mœurs, le monde cosmique, le monde, je ne sais pas trop, il y a tellement de choses dedans. Ce système, nous sommes dedans, mais nous n'avons pas les mêmes valeurs. Ce système a son langage, a son concept, a ses valeurs. Mais nous, en tant que chrétiens, en tant qu'ambassadeurs, Jésus dit que à ces ambassadeurs, je donnais la parole. Mais à cause de cette parole que je leur ai donnée, ce système va les haïr. Le thème d'aujourd'hui, c'est quand la Bible dit que je suis un ambassadeur. Bien-aimé, c'est un défi très fort. C'est un combat très fort. En tant qu'ambassadeur, nous devons connaître notre identité.
Nous devons connaître la mission à laquelle, ou la mission ou les attributs de ce statut que nous avons en tant qu'ambassadeur. Alors, si le chrétien n'est pas dans de ce système, puisque Jésus dit que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde, comme lui n'étant pas de ce monde. Alors, de quel monde est-ce que nous nous appartenons? Nous appartenons à quel monde? La Bible donne une réponse dans Éphésiens le chapitre 2, le verset 19. Il est écrit: ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Amen. Nous sommes d'un pays que l'on appelle maison de Dieu, ou royaume des cieux. Nous sommes, c'est en train de dire, habitants de la maison de Dieu, ou du royaume des cieux, dont le roi est Dieu lui-même. Le roi de ce royaume, c'est Dieu lui-même. Amen. Alors, si nous ne sommes pas de ce monde, pourquoi sommes-nous encore sur la terre? Pourquoi? Je me pose la même question. Pourquoi, si Jésus dit que nous ne sommes pas de ce monde, qu'est-ce que nous faisons? Que faisons-nous actuellement sur la terre, alors que notre royaume, la maison de notre Père, n'est pas de ce monde? Nous pouvons aussi trouver la réponse à cette question dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 20. D'où est-ce que nous avons tiré le thème de notre prédication d'aujourd'hui? 2 Corinthiens 5, 20 dit ceci: nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur de Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Je vais répondre. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Bien-aimés, un ambassadeur, c'est une personne qui représente un État auprès d'un État étranger. Le Cameroun a un ambassadeur en France. Le Cameroun a un ambassadeur au Nigeria, en Côte d'Ivoire, au Madagascar et dans beaucoup d'autres pays. L'ambassadeur dans le monde séculier est celui-là qui représente son pays au pied d'un autre. Il peut agir, c'est-à-dire qu'il peut s'agir d'une personne qui, dans un domaine donné, représente son pays à l'étranger. Et cette personne peut être nommée pour défendre, c'est-à-dire généralement, c'est par nomination. Il est nommé pour à une tâche pour défendre uniquement les intérêts de son pays. Son opinion à lui importe peu, l'ambassadeur. C'est la position de son pays qu'il défend. Alors, cet ambassadeur jouit d'un certain nombre de privilèges. Il y a une juridiction, toute une juridiction qui l'accompagne. Il est totalement couvert par son pays en termes de sécurité, d'intendance, de santé, de transport. Le pays qu'il envoie ou qu'il enrôle met à sa disposition tout ce qui est nécessaire pour, c'est-à-dire tout ce qui est nécessaire, pour tout ce qui lui permet de défendre les intérêts de son pays. Son but est d'influencer le pays d'accueil. Il possède ce qu'on appelle l'immunité diplomatique. Il n'est rappelé que par la plus haute autorité de son pays, qui est le président ou le roi, ça dépend du régime politique dans lequel chaque ambassadeur se trouve. Alors aujourd'hui, en fait, dans notre monde aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est que l'apôtre Paul prend cette image et nous dit que non seulement nous avons été nés de nouveau, nous avons été lavés par le sang de Jésus. La Bible dit que nous sommes une nouvelle créature.
Alors, pendant que nous sommes devenus une nouvelle créature, la Bible dit que Dieu nous a confié une mission diplomatique entre deux états, le ciel et la terre. Nous sommes en mission diplomatique entre deux états, c'est-à-dire le ciel et la terre. C'est la raison pour laquelle Jésus est venu. Il est venu introduire le royaume. Il est venu inaugurer le royaume. En partant, en remontant vers son Père, il a dit, allez, faites de toutes les nations et d'ici. Bien-aimé, en tant qu'ambassadeur ou ambassadrice, nous avons un ministère de réconciliation que Dieu nous a confié. Pourquoi est-ce que nous avons la mission de réconciliation? Parce que les hommes qui n'ont pas Christ dans leur vie sont en conflit avec Dieu. Pas que Dieu veut que les hommes soient en conflit avec lui, parce qu'ils ne sont pas dans les mêmes, c'est-à-dire qu'ils ne défendent pas les mêmes valeurs. Ce n'est pas les mêmes choses qu'ils partagent. Ces hommes ne connaissent pas les desseins de Dieu pour leur vie. Et même pour leur nation, ils ne connaissent pas. Puisque leur intelligence est obscure. Ils ne sauraient discerner le projet de Dieu pour leurs enfants, pour leur bien et même pour beaucoup d'autres choses. Ces hommes sont en conflit justement parce que le monde, la Bible dit que le monde entier est sous la domination du malin. C'est ceux qui ont été appelés par Jésus, ceux qui ont été enlevés de ce système, qui ont été réconciliés avec le Père. Le ministère de réconciliation que Dieu te confie, c'est d'aller, comme Jésus a dit. Allez, faites de toutes les nations ici. L'ambassadeur est un officier de l'État, chargé de parler au nom de cet État. Ainsi donc, un ambassadeur doit être continuellement en communication avec son gouvernement afin de s'assurer de bien saisir la politique de son pays. Si nous sommes ambassadeurs, nous faisons office d'ambassadeurs, bien-aimés. Notre job et notre responsabilité, le défi que nous devons relever, c'est de maintenir la communion avec l'État qui nous a mandaté, le royaume des cieux. Connaissez-vous le royaume des cieux? Jésus a dit, repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché de vous. Le royaume des cieux, pour moi, n'est rien d'autre que le règne de Dieu, sa présence sur la terre, sa volonté, ce qu'il veut faire, sa pensée. Jésus, un jour, on a voulu le prendre pour l'installer au roi. Jésus s'est dérobé à ce projet, il est parti. Et même devant quand il a été traîné devant le roi, quand il a le crucifié, il a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Bien-aimés, nous représentons un royaume, même comme physiquement nous ne le voyons pas, mais un royaume puissant, un royaume redoutable. Si et seulement nous pouvons être conscients de ce que ce royaume met à notre disposition comme moyen, comme politique, comme ressource pour pouvoir les manifester dans ce monde que nous avons défini comme un ensemble, comme la masse d'hommes, de personnes qui sont en conflit avec Dieu. En tant qu'ambassadeur, tu es le porte-parole. Tu es le porte-parole de Dieu. Ça commence dans ta vie. Ça commence dans ta famille. La première église, c'est même d'abord ta famille. Si tu ne peux pas t'occuper de ta famille, si tu ne peux pas t'occuper de ton mari, de ton foyer, de ta femme, de tes enfants, bien-aimés, tu ne peux donc plus t'occuper des choses qui sont au-delà d'une famille. La première église, c'est ta famille. C'est ton
ton épouse, sont tes enfants, c'est ton mari, c'est ta famille immédiate. La Bible dit que celui qui ne sait pas prendre soin des siens, il est pire qu'un infidèle. Si tu es seul, tu es célibataire, tu es la première église. Toi-même, tu es le pasteur de ton église que tu aimes. Tu ne peux pas attendre que c'est quelqu'un d'autre qui vienne le faire à ta place. Bien-aimé, en tant que porte-parole, ce travail s'applique d'abord à nous, en tant qu'individu. Après quoi? C'est parce que nous sommes remplis de la présence de Dieu que nous pouvons sortir pour le manifester. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. En tant qu'ambassadeur bien-aimé, la parole de Dieu nous appelle à être des ambassadeurs de Dieu sur terre. Et quand on parle sur terre, on peut aussi le prendre sur le plan physique, dans ton environnement physique. Ça peut être dans ton lieu de travail. Ça peut être pendant que tu es en train d'aller au marché faire les achats. Ça peut être dans ta boutique. Ça peut être dans ta famille. Ça peut être en gros, dans n'importe quel environnement. Le chrétien est celui qui doit manifester les valeurs du royaume auquel il appartient. Alors, en cette qualité, nous sommes porteurs d'un message de la plus haute importance, celui du salut de l'homme. Un jour, Dieu va dire à Abraham, le père de la foi, il va lui dire que toutes les nations du monde seront bénies en toi. Dieu est en train de faire l'annonce de Jésus qui devait naître. Dans ce verset, j'ai compris qu'en réalité, on est béni lorsque nous avons Christ dans notre vie. C'est ça la véritable bénédiction. La bénédiction n'est pas matérielle, elle est d'abord lorsque nous recevons Christ. C'est la plus haute marque de bénédiction. C'est la plus haute marque d'amour que Dieu puisse manifester aux autres. Nous devons nous rassurer que ceux qui sont autour de nous, ou du moins, même s'ils ne croient pas, qu'ils aient quand même le témoignage que Christ est le chemin, la vérité et la vie. Pour que demain, lorsqu'ils vont se présenter devant le tribunal, qu'ils ne trouvent pas de raison pour dire que je n'ai jamais été au courant de ce Jésus. C'est ton rôle, c'est mon rôle, c'est ton job, c'est le mien, de parler de Christ. La mission principale, bien-aimé, pour laquelle nous sommes encore sur terre, ce n'est pas d'aller cultiver les champs, ce n'est pas d'aller chercher de l'argent, ce n'est pas faire ceci ou cela. En soi, ce n'est pas mauvais. Nous avons besoin de ça. Mais la mission principale, c'est de réconcilier l'humanité avec son Créateur. Amen. Et Dieu a interpellé. Ce n'est pas l'affaire des pasteurs seuls, ce n'est pas l'affaire des anciens de l'Église. Ce n'est pas l'affaire des choristes, des chants, des musiciens. Ce n'est pas l'affaire des aînés, c'est l'affaire de toute personne qui a été appelée par Christ. Dès lors que tu as répondu à l'appel, bien-aimé, tu es aussitôt enroulé et tu dois faire ton travail. L'apôtre Paul nous dit que nous avons pour fonction le ministère de réconciliation. Comme je suis en train de le dire, je reviens encore dessus. Nous réconcilions un monde qui est en perte, c'est-à-dire qui est en quête d'un repère. Un monde qui pense qu'on en fait trop. Un monde qui dit que non, laissez-moi. Un monde qui pense que ça ne vaut plus la peine. Un monde qui croit que ce Dieu-là, il n'est pas vivant. Mais nous devons, parce que nous le connaissons, nous devons le manifester, nous devons le porter. Partout où ce monde est en train de parler, nous devons aussi présenter ce Dieu. Il est vivant. Il est avec nous. Il est en nous. Il est avec nous. Bien aimé, je me suis rendu compte que ce n'est pas à l'ambassadeur de dire à son pays que donnez-moi tel, donnez-moi tel, donnez-moi tel. Il peut exprimer des besoins pour le fonctionnement de son monde. De l'ambassade. Mais le pays est mieux placé pour définir les lignes directrices. Le pays, c'est lui qui dit que voilà la vision qu'on te donne, ou du moins la mission qu'on te confie.
L'ambassadeur n'a pas besoin de douter de la fidélité de son pays. L'ambassadeur ne peut même pas douter un instant que la nourriture va manquer dans sa maison. C'est pas possible. Il y a tout un budget qui est mis à sa disposition. Il y a tout un personnel qui travaille. Avec lui, il y a tout un ensemble de politiques mises sur pied pour permettre à l'ambassade de manifester, bien de jouer pleinement son rôle. Bien aimé, vous pensez que si les hommes sont en mesure de prendre des dispositions pareilles pour que l'ambassadeur puisse s'épanouir, vous pensez que c'est le Dieu qui a créé même l'homme, qui lui a donné l'intelligence. Vous pensez que ce Dieu dit que tu es ambassadeur et puis il va te lâcher sur la terre, te dire depuis toi mon fils. Je veux voir comment est-ce que tu vas t'en sortir. Je veux voir comment est-ce que tu vas prier. Je veux voir comment est-ce que tu vas jeûner. Je veux voir comment est-ce que tu vas trouver mari. Je veux voir comment est-ce que tu vas trouver femme. Je veux voir comment est-ce que tu vas faire créer une église pour aller prêcher des gens. Non, ce n'est pas ça, il ne s'agit pas de ça. Le Dieu que nous servons, ou qui nous a envoyé, qui avait donné des ambassadeurs, avant même que nous ne répondions à l'appel, bien-aimé, il avait déjà mis à la vie. C'est-à-dire qu'il avait déjà mis de côté les ressources nécessaires pour conduire cet appel. Il t'a déjà donné. Il t'a déjà donné tout. Un jour, j'entends une voix qui me dit, est-ce que tu crois que moi, Dieu, je t'envoie sur la terre pour que tu puisses te battre par ta propre force pour t'en sortir? Non. La voix continue à me dire que c'est moi qui t'envoie sur terre. Alors j'ai un plan dans ta vie. J'ai un plan, j'ai un projet avec toi. Alors, la voix m'exhortait pour dire que non, regarde à moi. Appuie-toi sur moi. Compte sur moi. Dépends de moi. Fais tout à partir de moi. Bien-aimé, c'est la même chose que je veux partager avec vous ce matin. Le Dieu qui nous a enrôlé, il s'appelle l'Alpha et l'Oméga. La lettre initiale, la lettre finale de l'alphabet grec. Les hommes alpha, beta, oméga, ceux qui vont scientifiques connaissent ça. C'est l'alphabet grec, l'alpha et l'oméga. Il est l'initial, il est le final. Il est le commencement, il est la fin. À l'intérieur de l'alphabet, il y a beaucoup de lettres avec lesquels tu peux écrire les pages de l'histoire que Dieu veut que vous construisez ensemble. Amen. Si quelqu'un m'a saisi, j'ai comme l'impression que vous ne m'avez pas bien saisi. Je veux encore me reprendre. Il est la lettre initiale, il est la lettre finale. Il est le commencement, il est la fin. En toute chose, et ta vie, c'est lui qui a été à l'origine. Quand tu vas finir, c'est toujours lui qui va dire dernier. Alors, à l'intérieur donc de cet alphabet grec, il y a toutes les lettres qui vont te permettre d'écrire les pages de cette histoire que Dieu veut que tu commences avec lui. Amen. Si tu veux conjuguer ton histoire au sens de l'amour, tu veux connaître le Dieu d'amour, il y a des lettres qui vont te permettre d'écrire ce mot. Si tu t'attends à un Dieu qui guérit, bien-aimé, dans cet alphabet, il y aura des lettres qui vont te permettre d'écrire comment? D'écrire la guérison. Dans cette lettre, si tu veux une vie épanouie, bien-aimé, il y a tout à l'intérieur. Je vais revenir sur la parole que Dieu nous a donnée dans sa parole, s'il vous plaît. Je prenais juste cette image pour vous ramener sur la parole. Il ne s'agit pas au sens littéral de l'alphabet. Je suis en train de faire allusion à la parole. La parole suffit. Elle suffit. Elle suffit pour te conduire à la guérison. Elle suffit pour te conduire vers celui qui ne connaît pas Dieu.
La parole va t'enseigner comment tu dois aimer. Elle t'enseigne comment tu dois pardonner. Elle t'enseigne comment tu dois progresser avec Dieu. Elle t'enseigne comment vivre dans cet environnement que nous l'avons défini comme une masse de personnes qui sont contre la volonté de Dieu. Pas parce qu'ils veulent, parce qu'ils n'ont, ils n'ont pas la révélation. Ils ne sont pas illuminés. Bien-aimé, en tant qu'ambassadeur, nous devons comprendre que la moisson est grande. À chaque fois que nous prions, nous les ambassadeurs en fonction, nous devons réaliser notre position et notre identité en Jésus. Nous ne sommes pas une élite ordinaire. Qui croit qu'il est une élite ordinaire ici? C'est-à-dire, pour lui, bon, le vent l'amène là où il peut l'amener. Les valeurs l'amènent là où elles peuvent l'amener. Les mœurs définissent sa vie. Sa façon de s'habiller, sa façon de manger, de voir, et tout. Qui est dans cette logique ici? Dieu ne nous voit pas ainsi. Dieu a investi en nous beaucoup de grâce. C'est sa nature qui nous a donné. Alors nous ne sommes pas une élite ordinaire. Dieu nous voit comme son bras sur terre. Sa famille, l'extension de son royaume ici-bas. Amen. Dieu nous voit comme sa famille, son bras, l'extension de son royaume. Nous sommes appelés à marcher dans cette destinée prophétique. Pourquoi est-ce que je dis que Dieu nous voit comme son extension sur la terre? Un jour, les disciples de Jésus vont lui dire, vont lui demander de leur enseigner comment ils doivent prier. Jésus a dit que quand vous priez, dites notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Vous pensez que Dieu est en panne? C'est-à-dire qu'il est incapable d'installer son règne sur la terre? Quand vous lisez ça, ça vous fait penser à quoi? Quand tu lis ça simplement, tu as comme impression que c'est comme si Dieu a les mains liées et il attend que les hommes prient pour que son règne vienne sur la terre. Auquel cas son règne ne viendra pas. Il y a beaucoup de choses que Dieu fait sans que l'homme ne prie. C'est vrai, non? Quand la pluie descend, vous priez pour ça. Parfois, vous priez, ça ne descend même pas. Parfois, la pluie allait descendre, vous priez que la pluie s'arrête, elle continue. Et quand Dieu fait lever son soleil, vous priez pour ça. Quand le jour s'élève et le soleil se couche, la nuit tombe. Est-ce qu'il y a des gens qui prient pour ça? Dieu le fait de par lui-même. Ça relève de sa souveraineté. C'est un privilège pour toi et pour moi de savoir que le Dieu qui fait toutes ces choses te demande de prier afin que son règne, ce qu'il est, descende là où tu l'as. C'est un principe que lui-même a établi. Pas qu'il est dépassé. Il veut nous associer avec lui. C'est une association. Il nous fait participer à son règne. Il nous fait participer à son royaume. Il nous fait participer à ses desseins. Et il veut nous apprendre à régner avec lui. Tu es ambassadeur, tu dois régner avec lui. C'est ta mission, c'est ta portion. C'est ton partage qui doit régner avec lui. Je ne parle pas de règne de New Age. Je parle de ce que tu portes, la vie de Dieu en toi. Et la vie de Dieu ne saurait être soumise à un autre règne. Ce n'est pas possible. La vie de Dieu ne saurait être dominée par quelque système que ce soit. Partout où tu es, là où Dieu t'établit, Dieu sera vu. Comme le pasteur Bédo le disait à la dame de Dieu, partout où tu marches, on voit Dieu. On voit Dieu.
dans mon lieu de travail, quand on organise des élections, je vais dire des examens, nous sommes nombreux autour de la table pour recevoir les copies, les traités, faire des anonymats. Il y a des choses que les gens ne peuvent pas dire. Quand ils me voient ici, ils disent que non, ça va, Joseph, ça va souiller les oreilles de Joseph. Donc, ils décident volontairement de ne pas dire un certain nombre de choses parce qu'ils estiment que ça va souiller mes oreilles. Parce que moi, j'ai une position tranchée. Quand ils vont faire des choses, je vais leur dire que je ne partage pas ces valeurs. Ça, je ne les partage pas. Et il y a des personnes qui viennent dans mon bureau pour me dire que toi, au moins, tu es un pasteur. Nous, là, on n'est pas pratiquants, nous ne vivons pas à l'église. Mais toi, tu es pasteur. Mais est-ce que je suis allé les enseigner à l'église? Je vais dans mon bureau, je m'assois, je reçois les étudiants, je prends mon sac, je rentre en fin de journée. Mais qui leur dit que moi je suis pasteur? Qui est allé leur dire que moi je suis pasteur? Bien-aimés, nous sommes une odeur. C'est ça parce que la Bible dit, nous sommes une odeur. Quelle est l'odeur que tu dégages dans ton environnement? Dans le monde séculier, il y a aussi des ambassadeurs irresponsables. Même comme le pays les mandate. Mais ils vont faire beaucoup de gaffes. On est obligé de les rappeler. Est-ce que tu es ce type d'ambassadeur qui, au lieu de dégager une odeur de vie, tu as plutôt que tu dégages une odeur qui éloigne les gens de Dieu, qui éloigne les gens de la présence de Dieu, alors que ta mission, c'est de les réconcilier avec leur Créateur. Je veux t'encourager ce matin à commencer une vie avec un nouveau paradigme, celui de savoir que Dieu a mis en moi le ministère de la réconciliation. Je suis là pour réconcilier. Je ne suis pas là pour détruire. Nous devons être forcés de représenter correctement Christ, quel que soit l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Si les gens de ce monde ne voient pas le témoignage de Christ au travers de nos vies, bien-aimés, ils ne recevront pas notre message. Et nous ne croirons pas notre message à cause de notre mauvais témoignage. Je continue pour dire aussi que les personnes de notre entourage doivent voir la différence entre leurs ténèbres et notre lumière. Mais s'il y a des ténèbres là où il devrait y avoir la lumière dans la lumière, ils ne recevront pas plus notre message. Pensant que Dieu nous ressemble. Alors, c'est quoi? Il y a tellement de personnes qui souffrent. Il y en a qui meurent. Bien-aimés, nous devons jouer notre rôle, celui de réconcilier les hommes avec le Père. Ce monde est en agonie et attend de voir la gloire de Dieu au travers de ses ambassadeurs. Dieu veut se révéler au travers de nous afin de révéler son amour aux perdus. La mention est grave, bien-aimé. Le Seigneur demandait de prier les ouvriers, de prier le maître de la mention et d'envoyer les ouvriers. N'oublions pas de faire valoir notre rôle d'ambassadeur sur cette terre dès que nous avons l'occasion, dans notre voisinage et même au sein de notre propre famille. Dieu a besoin de ça. Quand le temps viendra où chaque ambassadeur sera appelé et chacun se tiendra devant le Créateur de l'univers afin de nous rendre compte de sa vie passée sur la terre. Alors, est-ce que tu vas entendre ces paroles du Seigneur? C'est bien. Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton père. C'est ça que tu veux entendre? Si c'est ça que tu veux entendre, fais le travail de l'ambassadeur. Amen. Si c'est ça que tu veux entendre, mets-toi au travail. Dieu t'a tout donné. Tu n'as pas de raison
à justifier quoi que ce soit. Parce que ce que Dieu appelle, il met à leur disposition des provisions nécessaires. Que Dieu bénisse ta parole. Amen.